Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Dixine, toujours dans la ferveur de la rentrée scolaire 2019-2020. L'équipe de l'émission École Guinéenne va à l'encontre du premier responsable de cette commune, la commune de Dixine, à l'occurrence, monsieur Fodé Sylla. Avec lui, nous allons échanger des perspectives liées à la rentrée scolaire 2019-2020. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir. Suivez. La rentrée scolaire 2019-2020 en Guinée s'est bel et bien effectuée dans des conditions normales, en deux phases. Il s'agit de la pré-rentrée et la rentrée pédagogique. La pré-rentrée était fixée au lundi 23 septembre 2019, tandis que la rentrée pédagogique ou le démarrage effectif des cours a eu lieu le mercredi 3 octobre 2019 dans tous les centres d'éducation préscolaire, écoles primaires et établissements secondaires. Pour la réussite de l'année scolaire 2019-2020, le DCE de Dixine a invité tous les acteurs du système éducatif de sa commune ainsi que les chefs d'établissement scolaire à prendre toutes les dispositions utiles pour préserver le calme, la sérénité et la cohésion sociale. Bien, alors, chers téléspectateurs, comme nous vous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, à présent, nous sommes avec le DCE de la commune de Dixine, à l'occurrence, M. Fodé Sylla. Avec lui, nous allons aborder des questions qui sont liées à la rentrée scolaire 2019-2020. Et je crois bien que vous êtes dans votre émission École Guinéenne. Je vais tendre le crachoir à M. Fodé Sylla. Bonjour, M. Fodé Sylla. Bonjour, M. Madès. Vous êtes dans le collimateur de l'émission École Guinéenne ce matin. Et c'est la rentrée scolaire qui s'est déjà annoncée. L'école a ouvert ses portes. Mmh. Et quelles sont les dispositions organisationnelles que vous avez prises pour la réussite de l'année scolaire 2019-2020? Il y a eu des mesures de préparation avant l'ouverture. Au niveau de la commune de Dixine, nous avons eu à travailler avec tous les partenaires. La PAE, les enseignants, c'est-à-dire quand je parle des enseignants, les chefs d'établissement, les directeurs d'école et tous les responsables à ce niveau pour parler un peu de cette rentrée. Donc à ce niveau, nous avons eu à discuter de beaucoup de problèmes concernant la rentrée scolaire au niveau de notre commune. De quoi il s'agissait, monsieur, si là alors? C'est de cela que je viens. On a parlé de l'assainissement, parce que les enfants ne peuvent pas venir s'installer sur une saleté. On a parlé de l'assainissement avec les parents d'élèves. On a parlé des salles de classe, le nettoyage. On a parlé également de la répartition des élèves au niveau de toutes les classes. On a également parlé de groupes pédagogiques au niveau de chaque classe, ce qui nous a amené à connaître effectivement le nombre de groupes pédagogiques que nous devons avoir à la rentrée scolaire. Et suite à cela, nous avons eu à préparer une première sortie, parce que à partir du 14, il a eu la rentrée administrative. Et cette rentrée administrative, la DCE a eu à dépêcher son monde administrateur à sa disposition au niveau de toutes les écoles de la commune pour savoir comment est-ce que les écoles sont préparées par rapport à la rentrée. Les premières journées de la rentrée, l'engouement n'y est pas. Et est-ce que ça a été le cas chez vous? Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que réellement les enfants viennent massivement aller pour répondre à l'appel des responsables de votre commune? À cette rentrée, retenez que nous avons pris le train en marche. C'est une réalité, il faut le dire. Nous sommes tellement habitués à cela. Quand les écoles s'ouvrent,
au milieu de la semaine, il y a un pont qui s'installe. Et ça, ça a été un élément qui a un peu déstabilisé la rentrée scolaire. Il y a eu des gens, des enseignants étaient là, l'encadrement était sur place. Mais les élèves, de façon générale, l'effectif n'était pas ça. Nous avons les statistiques. J'ai toutes les statistiques sous ma main ici. De façon générale, nous avons eu 9903 élèves qui étaient programmés, dont 5336 filles. Mais nous avons enregistré à la troisième journée, hein, c'est parce que la première journée, ça n'avait pas atteint ça, nous avons enregistré 7033 élèves. En tout cas, à Dixine, dont 3582 filles. Au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire des enseignants, dans l'ensemble, 193 enseignants étaient programmés. Et sur les 193 enseignants, nous avons 191 qui étaient là. Et l'encadrement était déjà à 18,96%. Après le 14, nous avons eu d'autres situations qui ont changé la donne avec le mouvement. La journée du 14, nous avons eu au niveau de l'élémentaire à l'encadrement 46%. Sans donner les effectifs, je vous donne déjà le pourcentage. Au secondaire, on a eu 43%. Et au niveau des enseignants, on a eu 17%, 17,44%. Et au niveau du secondaire, 11,44%. Et au niveau des élèves, à l'élémentaire, on a eu 4,51%. Et au secondaire, 0,25%. Ça veut dire que la journée du 14, c'était zéro. Ces pourcentages ne sont pas du tout satisfaisants. Et quel appel avez-vous à l'égard des parents d'élèves afin que ces enfants viennent à l'école, surtout que l'année dernière, les résultats n'étaient pas tout fameux. Et quel appel avez-vous à lancer? C'est quand le pied de devant quitte, c'est le pied de derrière qui s'arrête. Nous avons pour intérêt nos enfants. Il faudrait que l'on se mette cela en tête et qu'on se dise qu'il faut assurer l'avenir de ses enfants. Il faut suivre ses enfants. Il faut savoir que l'enfant est effectivement à l'école. Prendre des dispositions, tout ce qu'on a à faire pour leur réussite, il faut le faire pour que ses enfants la réussissent. Donc c'est cet appel-là. Il est important. Il ne va pas être très large, très grand, mais c'est très important de contenu. Si tu ne prépares pas ton enfant, c'est que toi-même ta vie n'est pas assurée. Donc c'est pourquoi je demande à tout le monde, aux uns et aux autres, à tous, à qui que ce soit, de faire en sorte que nous nous donnons la main pour que nous réussissions l'éducation de nos enfants. Ça, c'est et au niveau de l'école et hors de l'école. Et du côté des enseignants, est-ce que tous les enseignants se sont présentés? Parce que souvent, il y a un manque criard d'enseignants qui se posent dans les établissements scolaires du pays. Oui. Est-ce que c'est le cas chez vous? Au niveau des enseignants, nous avons eu 95,63% de présence des enseignants. Ça veut dire que les enseignants étaient là. L'encadrement était à 83,44%. Ça aussi. Et les élèves, après les appels que nous avons eu à faire avec l'APAE, parce que nous avons appelé le comité communal des parents d'élèves et leur demander de faire en sorte qu'au niveau de nos lieux sains, c'est-à-dire les mosquées et les lieux cultes, qu'on puisse donner une certaine sensibilisation au niveau des enfants, des parents, afin que les enfants y soient. Et retenez que ces derniers jours-là, peut-être qu'on n'a pas eu le résultat encore pour aujourd'hui, mais hier, nous étions à 70,93% pour l'arrivée des enfants au niveau de l'école. 95,63%, ça c'est le taux de présence des enseignants et dans votre commune. Et monsieur Sidla, vous n'êtes pas aussi sans savoir que les résultats de l'année dernière n'étaient pas tout fameux. Et quelles dispositions avez-vous prises pour gérer la pléthore? Parce que surtout les classes d'examen. Et quand vous prenez par exemple les classes de terminale ou bien les classes de dixième, où il y a eu beaucoup plus d'échecs, et quelles dispositions avez-vous prises pour au moins combler cette pléthore? Bon, la disposition là,
elle ne peut être que pédagogique. Si on n'a pas d'espace, on a la double vacation. On est tenu d'assurer la technique des grands groupes et faire en sorte qu'il y ait un suivi très, très efficace au niveau des enfants dans les exercices, un suivi sérieux dans les évaluations, un suivi sérieux dans toutes les formes d'évaluation, non seulement au niveau de la classe, mais après la classe. Les parents d'élèves aussi. Il faut ça. Il faut que nous arrivions à cela, ce que j'ai dit au début. Tout ça, là, ça dénote les suivis. Ça, ce n'est pas seulement l'école. Il faudrait que, comme je l'ai dit au début, que l'enfant soit sous un toit. Le toit de la maison, c'est d'eau couvert. Hein. C'est comme ça. C'est d'eau couvert. Il y a le couvert de l'école, il y a le couvert parental. Et bien, quand ces deux-là sont là, quel que soit... ils sont sous un toit, ils sont couverts, ils seront bien encadrés, ils seront à l'abri de certains problèmes. Il faudrait qu'on arrive. Les enfants seront à l'abri de quelques aléas. Et Monsieur Silla, revenons un peu sur les parents d'élèves. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que les parents d'élèves se plaignent du coût excessif des frais de scolarité des écoles privées. Et est-ce qu'il y a quelques structures, il y a une structure qui gère ça au sein de votre commune pour que les parents d'élèves soient beaucoup plus apaisés? La solution, c'est l'État. L'État peut réagir. En faisant quoi? En mobilisant, en faisant des réunions autour de cela, en demandant aux parents cette situation, en construisant comme on est en train de le faire. Regardez un peu dans les autres communes, l'État a déboursé pour permettre aux parents d'envoyer leurs enfants dans les écoles publiques parce que ces écoles privées bénéficient des enseignants de ces écoles publiques-là. Donc, s'ils sont dans les écoles publiques, privées, c'est déjà une réduction, c'est apaisé. Mais quand déjà tu te dis, moi, il faut que mon enfant soit dans une école privée, mais vous prenez le coup, hein. Ça y va de soi. Parce que celui qui fait son école, il met son argent, il met la main dans sa poche pour construire. Alors que c'est le même système, c'est les mêmes enseignements, mais ce que nous avons, comme on vous le demandait, c'est l'effort que nous devons faire pour que nos enseignants soient là, qu'ils soient au point, qu'ils soient à mesure de suivre correctement les enfants, qui soient en mesure de faire un enseignement-apprentissage efficace, de donner ce qu'il faut donner à ses enfants pour qu'ils réussissent. Et ça... Quelque part, quel est le rôle régalien des APAE face à ce problème? Parce qu'ils sont l'intermédiaire entre les parents et vous. Oui. Et quel doit être leur rôle? Dans les conditions normales, c'est de sensibiliser les parents d'élèves. Non, les parents d'élèves d'abord, oui. Qui les ont mandatés. Les parents d'élèves qui envoient des élèves. Les parents d'élèves qui observent, ou cette organisation qui observe l'effort du gouvernement par rapport à ces constructions. Donc, ils doivent pouvoir mobiliser ces parents d'élèves-là par rapport à ces constructions et amener tout ce beau monde-là vers ces écoles publiques. Monsieur Silla, nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? C'est le même mot qui revient. C'est encourager tout le monde. Demander à tout le monde de se donner la main sur tous les plans. Faire en sorte que nos enfants réussissent. Celui qui peut me supporter demain peut ne pas être mon enfant. Il peut être l'enfant d'autrui. Il faut que j'aie le courage de le mettre sur un droit chemin et le permettre de réussir. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter de fond en comble le premier responsable de cette commune-là, M. Fodé Silla. Je crois bien que vous avez saisi tout ce qu'il a donné comme conseil. Il a prodigué beaucoup de conseils aux parents d'élèves, aux responsables aussi d'école, le suivi des enfants pour que ceux-ci puissent être le devenir et l'avenir de demain. Alors, chers téléspectateurs, avec lui ou avec l'équipe, nous allons nous rendre tout à l'heure sur le terrain, voir comment les choses se passent. Suivez, chers téléspectateurs. Yeah, you didn't know what kind of
Maintenant, chers téléspectateurs, nous sommes à présent au lycée-collège de Donka, l'une des plus vieilles écoles de la République. Et à présent, nous allons entendre le casseoir au responsable de cette école pour nous en dire plus. Suivez, chers téléspectateurs. Spectateurs, comme vous le voyez à l'écran, nous, après Monsieur le DCE, à présent nous sommes avec Madame la proviseure du Grand Lycée de la République, et le lycée donc, avec lui nous allons essayer d'aborder des questions qui sont liées à la rentrée scolaire. Bonjour Madame. Oui, bonjour. C'est la rentrée des classes, l'année scolaire 2019-2020, quelles sont les perspectives? Voilà, nos perspectives sont très bonnes, mais malheureusement nous n'avons pas de moyens. Vous voyez, l'école est un peu vétuste. Nous avons besoin de coups de pinceau, mais on n'a pas de moyens, comme je l'ai déjà dit. Et une autre perspective, non des moindres, c'est le rehaussement du rendement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'échecs en République de Guinée, et nous nous inscrivons dans cette logique, malheureusement. Mais cette année, nous avons des dispositions draconiennes pour pouvoir relever le défi. Depuis 2-3 jours, nous avons le plein des classes. Et les élèves viennent. Donc il y a eu un arrêt suite aux événements que vous connaissez, mais maintenant là, ils sont vraiment là. Nous avons des besoins qui ne sont pas là naturellement. Les besoins en anglais, en géologie et en philosophie. Oui. Je dirais aux parents d'élèves de prendre l'école au sérieux. Nous remarquons ces derniers temps, pour un oui, pour un non, les enfants s'abstiennent de venir à l'école. Ça, c'est la faute aux parents. Il faudrait que les parents comprennent que c'est l'école qui va les aider demain à relever beaucoup de défis. Et s'ils ne considèrent pas l'école, les enfants non plus ne vont pas être là. Donc il faudrait qu'ils acceptent de conjuguer le même verbe avec nous les encadreurs. Parce que nous travaillons pour eux. L'État nous paye, d'accord. L'État paye les professeurs. C'est un investissement colossal. Par an, c'est beaucoup d'argent qui est donné aux enseignants, c'est beaucoup d'argent qui est donné aux encadreurs que nous sommes. Mais si les enfants ne viennent pas à l'école, tout cet investissement va à l'eau. Donc il faut que le parent comprenne que l'État se bat pour eux. Ici à Donka, nous n'avons pas de pléthore. Le plus grand effectif fait 60. 60, c'est déjà trop, mais par rapport à d'autres écoles. Les classes de terminale ici ? Les classes de terminale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un taux d'échec qui est là. Voilà. Mais nous n'avons pas de pléthore quand même. Ceux qui quittent les classes 12e pour arriver en terminale. Surtout qu'il y a eu un échec. Oui. Et comment vous parvenez à concilier les deux pour ne pas qu'il y ait pléthore dans certaines classes? Voilà, nous faisons des listes de base, que nous faisons une répartition stable quand même. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien dans votre émission École guinéenne. Nous sommes dans une des salles du lycée Donka pour voir comment les cours se passent. À présent, je vais essayer de tendre le micro au premier responsable afin qu'il puisse... Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la rentrée scolaire 2019-2020. Oui. Et vous êtes professeur d'économie au sein de ce lycée. Et quelle appréciation faites-vous de cette rentrée? Mais malgré les difficultés, il faut reconnaître que nous avons entamé dans les meilleures conditions. La preuve en est que la salle est remplie et je suis en train de faire mon mieux pour aider ces enfants. C'est votre quantième cours, ça ? Le deuxième cours, oui. Le deuxième cours. Et quel est c'est le chapitre ? Ben, nous sommes en train de revoir le programme, sur le programme de façon générale. Bien. Alors, merci de se prêter à une question. Nous allons essayer de tendre le crachoir à un des candidats. Je fais la terminale sciences maths. Sciences maths. Mais pourquoi vous avez choisi les options sciences mathématiques? Est-ce que vous êtes bien en mathématiques? Oui, je crois que je le suis bien vu que je suis en terminale. Tu t'es vu comme ça en terminale? Non, puisque j'ai fait la 11e, la 12e en maths et j'ai passé pour la terminale, donc je dois être bien, non? Bien. Alors, est-ce qu'on peut espérer être parmi les lauréates de cette année?
Je l'espère. N'est-ce pas? Oui. Bien, alors, c'est la rentrée des classes. Mm-hmm. Et je vois réellement que certains de vos amis ne sont pas encore là. Et quel message avez-vous à livrer à l'égard de ceux-ci? Je leur dirais de venir à l'école parce qu'on a déjà commencé les cours et que vu qu'ils passent un examen cette année, ils doivent réviser, venir en cours surtout. Surtout. Oui. Surtout que l'année dernière, les résultats n'étaient pas tout fameux. Et qu'est-ce qu'il faut pour au moins être parmi les heureux gagnants l'année scolaire? Moi, je crois que c'est vrai, les résultats étaient désastreux l'année dernière. Donc, du coup, cette année, il faut vraiment redoubler d'efforts et bosser, et venir à l'école surtout et réviser encore à la maison. Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'égard des amis qui ne sont pas encore venus? Non, bon, on leur dira de venir parce que pour l'instant, il n'y a pas de manifestation, tout est au calme. Donc, ils n'ont qu'à venir, on va suivre les cours. Merci. Et alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours à Donka et eux, ils appellent solennellement leurs amis de venir massivement parce que les résultats, c'est maintenant. Suivez. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre dans votre émission École guinéenne de fond en comble les perspectives de la rentrée scolaire 2019-2020. Vous avez écouté le DCE de cette commune, en plus Madame la proviseure du lycée Donka et quelques témoignages des élèves et des lycéens de Donka. Je crois bien que les messages sont tombés dans de bonnes oreilles. Merci, à la prochaine. Thank you.